Merci de nous rejoindre aux 20h, Madame, Monsieur. Bonsoir. Les titres de cette édition d'information, jour de dissertation aujourd'hui pour les finalistes des humanités à travers le pays. 2000 centres retenus pour plus de 900 000 candidats à cette épreuve. Parmi eux, Sarah Kapinga, 57 ans, trouvée par nos reporters dans un centre à Kinshasa. Lutte contre les doublons, l'effectif dans l'administration publique. Le Premier ministre a lancé aujourd'hui l'identification biométrique des agents publics de l'État. L'objectif est d'obtenir la maîtrise des effectifs et de la masse salariale, une opération qui obtient le soutien total du monde syndical. Possible de voyager à nouveau en voiture sur la route qui mène vers la centrale de Zongo, Congo central. L'office de voirie et drainage a remis en état cette route en terre, voie rapide pour atteindre aussi bien les villages environnants. Les conducteurs vivent le confort. Nous allons expérimenter cela dans cette édition d'information. Voilà tout pour les titres. Encore une fois, bonsoir et bienvenue à toutes et à tous. L'actualité, c'est aussi les heures de fermeture des stations d'essence qui sont repoussées à 22h à Kinshasa. C'est le compromis trouvé entre les pétroliers et le ministère des hydrocarbures. Les deux parties discutent sur des solutions durables face à la pénurie des produits pétroliers. Nous y reviendrons plus tard. Les guerres civiles dans la région des Grands Lacs ont paralysé les activités de l'Institut des sciences agronomiques et zootechniques de Kitega. Nous sommes là au Burundi. Aujourd'hui, ce centre est en incapacité de fonctionnement. Il a été visité par le couple présidentiel de la République démocratique du Congo en séjour au Burundi. Félix-Antoine Tshisekedi, accompagné de Denise Nyakeru, ont également honoré la mémoire de feu le président Pierre Nkurunziza. Reportage de Blandine Zovou. Dans le cadre d'une mise en place prochaine d'un certain nombre des projets d'intérêt commun entre la République démocratique du Congo et le Burundi, le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo s'est rendu ce dimanche dans la province burundaise de Gitega, sa capitale politico-administrative, située à 102 km de Bujumbura. Un long parcours de plus de 2 heures par route au milieu des collines et escarpements. À son arrivée à Gitega, le président de la République et son épouse se sont tout d'abord rendus au mausolée de feu Pierre Nkurunziza, 9e président du Burundi, décédé le 8 juin 2020. Avant de déposer la couronne de fleurs, le couple présidentiel s'est incliné devant la mémoire de celui que les Burundais présentent comme un nationaliste et un révolutionnaire engagé pour la cause de son pays. Et juste après, le cortège présidentiel a pris la direction de l'Institut des sciences agronomiques et zootechniques de Gitega. L'IRAZ est une institution spécialisée de la communauté des pays des Grands Lacs, comprenant 3 pays, à savoir la République démocratique du Congo, le Burundi et le Rwanda. Un vaste site qui fait malheureusement face à d'énormes difficultés de fonctionnement, marquées notamment par une paralysie totale de ses activités. Le ministre burundais de l'Environnement, Agriculture et Élevage, qui accompagne le chef de l'État congolais, attribue ce marasme fonctionnel aux différentes guerres civiles qui n'ont épargné aucun pays de la sous-région. Il rassure à son hôte qu'un plan de relance est en gestation en vue de relever ce site dont la contribution est considérable dans la production agropastorale. Un autre site qui a accueilli le chef de l'État congolais, c'est la ferme de Bugendana, située à 20 km de Gitega. Ici, se fait l'élevage des vaches laitières et se développe également un important projet agricole sur une étendue de 5 hectares. La particularité qui se trouve ici, c'est cet endon que le gouvernement kenyan a donné à notre gouvernement. Donc on nous a donné une 50aine de génisses. Oui, aujourd'hui nous avons, les 50 sont ici, mais nous avons déjà encore 18 veaux qui sont nés ici. Et oui, comme vous le voyez, ce sont des bons bovins. Il y a un docteur vétérinaire qui est ici, il y a un technicien vétérinaire qui est ici, il y a un ingénieur zootechnier chargé de l'alimentation de ces bovins. Ces
C'est en fin d'après-midi de ce dimanche que le chef de l'État et son épouse, ainsi que toute la délégation qui l'accompagne, ont regagné la capitale Bujumbura sous les ovations de la population de Gitega, ancienne capitale de Rwanda-Urundi sous l'époque coloniale. Comme dans ses habitudes, Félix-Antoine Tshisekedi a eu des échanges directs avec des Congolais vivant sur place au Burundi. Cela avant de donner une conférence de presse aux côtés de son homologue Évariste Ndayishimiye. Giscard Kousséma, reportage. Le Burundi est l'un des pays voisins qui compte une grande colonie congolaise. Au troisième et dernier jour de sa visite en terre burundaise, le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo et la distinguée première dame Denise Nyakeru ont rencontré des représentants de la diaspora congolaise. Toutes les préoccupations liées aux conditions d'émigration ont été présentées au garant de la nation qui a trouvé des solutions immédiates, à l'instar du visa annuel d'établissement qui passe de 500 à 25 dollars seulement. À ses compatriotes, le président de la République a fait part de son engagement à restaurer la paix et il peut désormais compter avec l'appui du Burundi. Je peux vous dire que les choses sont vraiment au beau fixe. C'est vrai que par moments, il y a eu des flottements dans le passé, dû aux réalités régionales, de politique régionale qu'il y avait. Mais aujourd'hui, je peux vous dire que nous avons en la République du Burundi un partenaire fidèle. J'ai un homologue vraiment sincère et qui est tourné, qui a son regard tourné comme le mien vers le service à nos populations. Et nous avons décidé de conjuguer nos efforts pour ensemble voir comment nous allons davantage rapprocher nos peuples et faciliter les échanges à travers nos pays. Très pragmatique, le président Ndayishimiye a réaffirmé clairement son soutien aux efforts de pacification entrepris par le président Félix Tshisekedi. Le Congo, ce n'est pas un ami d'aujourd'hui, c'est un voisin, c'est un ami historique. Je sais que le Congo a supporté notre douleur de l'histoire. Parce que le Congo a accueilli beaucoup de réfugiés burundais. Vous les avez supportés pendant des décennies. Et maintenant que nous avons retrouvé la paix, nous sommes devenus des frères. Le malheur de l'un est le malheur de l'autre. Le bonheur de l'un est le bonheur de l'autre. C'est pour cela que nous avons la douleur quand nous sentons que l'Est du Congo n'est pas stabilisé pacifiquement. Mais nous encourageons notre frère Félix d'abord l'encourager pour le processus qu'il a déjà entamé, le processus de paix, le processus d'ouverture dans la région avec les pays voisins. Le Burundi a connu de graves crises plus que la RDC. Donc ne vous découragez pas. Pour vous, ça sera facile de vous réconcilier, de ramener la paix. Parce que ce qui était difficile, c'était ici au Burundi. Le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a été très marqué par la vision d'ouverture de son homologue Évariste Ndayishimiye. C'est sur ces entrefaites que les deux chefs de l'État se sont séparés avec espoir de se retrouver à Malabo dans le cadre du sommet de l'Union africaine. Et puis, ces réactions recueillies au sein de la communauté congolaise basée à Bujumbura et dans la province voisine du Sud Kivu, les réactions ont été recueillies par la presse présidentielle. L'État ici renforce les bonnes relations qui unissent nos deux pays et les questions qui vont être abordées, les questions de paix. Vous êtes sans ignorer que nous avons des difficultés
dans le domaine de la sécurité. Donc ces problèmes sont partagés avec le Burundi. Et donc cette rencontre est une rencontre qui vise effectivement à apporter les solutions à ces problèmes de sécurité. Et cela est conforme à l'engagement du président de la République qui se bat depuis son accession au pouvoir pour que la paix revienne à l'Est et tout particulièrement dans la province du Sud-Kivu. À côté de questions de sécurité, c'est des questions aussi socio-économiques. Nous avons une population qui s'écoutoie régulièrement. Je dois vous informer que nous avons 6 provinces frontalières qui partagent les relations économiques avec la province du Sud-Kivu. Les commerces transfrontaliers, les problèmes des Covid et d'autres questions des dédications, du développement, les routes. Donc c'est des questions majeures qui intéressent au plus haut niveau les Sud-Kivu. La population de la ville de Bujumbura attendait vraiment de cette hôte. Alors moi comme maire, j'ai essayé de mobiliser mes gens. Et c'était facile parce que c'était un hôte auquel ils s'attendaient. Vous savez, le Congo, la RDC, c'est un pays non seulement voisin, mais il est frère. C'est un pays qui, de par l'histoire, a aidé beaucoup notre pays dans son épanouissement. Beaucoup de Burundais, les cadres de moi-même, j'ai étudié à Kinshasa, à ne parler que de moi. Il y a d'autres qui ont étudié en RDC. Alors, la RDC, c'est notre pays, frère, c'est notre voisin et ami. Bon, la cohabitation est très très bonne. Pour preuve, les Burundais et les Congolais se sont mariés. Donc c'est la première relation qui montre que le bon voisinage est très bon. Oui, le président de la République démocratique du Congo, son Excellence Félix Tshisekedi Tshilombo, ici à Bujumbura, pour concrétiser la vision de rapprochement entre la RDC et les pays voisins. Alors, c'est une tournée qui fait suite à la visite du président au Kenya en tant que nouveau membre adhérent de la communauté d'Afrique de l'Est. Le président a été au Sud-Soudan, le président vient au Burundi pour raffermir ses liens avec les pays voisins et les pays de la communauté d'Afrique de l'Est, et aussi et surtout pour répondre à l'invitation officielle de son homologue burundais. Il vous souviendra que le président burundais a été à 2 reprises au Congo l'année dernière et cette année même, et il était de bon aloi que son homologue congolais réponde à son tour par cette invitation officielle. Il s'agit donc de rapprocher plus nos deux pays et donc raffermir les liens d'amitié et de commerce entre nos pays qui sont très liés de façon historique. Et pour boucler la boucle, je vous propose ces images de la victime de la visite que les deux premières dames ont effectuée auprès des enfants. Regardez. Des nouveaux-nés et leur maman en bonne santé, Angeline Daïchimiye et Denise Nekiru Tshisekedi profitent du bonheur leur communiqué par ces triplés qu'elles admirent. Les deux premières dames partagent un idéal commun, celui du bien-être de la mère et de l'enfant. C'est à l'hôpital Gitega que la première dame du Burundi conduit son hôte afin de partager leur intérêt pour la santé des populations, particulièrement celle de la femme. De la maternité à la pédiatrie, en passant par les services spécialisés, Denise Nyakiru Tshisekedi s'est offerte cette visite guidée et très détaillée du site. Les femmes souffrant de la fistule obstétricale ont attiré davantage l'attention de deux first ladies. Et comme toujours, devant pareille situation, Denise Nyakiru Tshisekedi trouve les mots justes, porteurs d'espoir, pour soutenir celle qu'elle considère comme forte et battante, prise en charge par la première dame du Burundi. Merci beaucoup pour l'accueil. Je suis venue visiter le centre de ma sœur pour voir ce qu'elle fait. Et je la félicite beaucoup pour le bâtiment qu'elle a construit. Et vous, femme, qui avez souffert de ce problème-là dont on ne va pas parler ici, je vous encourage, rien n'est perdu. Et c'est par la visite de la Fondation Bonne Action, Umugiraneza, de Madame Angeline Daïchimiye, que la journée de première dame s'est terminée. Santé, éducation, autonomisation de la femme, bref, le social captive l'intérêt des deux fondations, conduites par les deux personnalités.
Un échange d'expériences qui a permis aux deux parties d'envisager une mutualisation d'efforts pour les populations les plus défavorisées. C'est en fin d'après-midi que les deux premières dames ont rejoint leurs époux pour 2 heures de route afin de regagner Bujumbura. Un reportage de Naïcha Kiala Mouila. L'actualité au pays, c'est parti pour les épreuves hors session pour les finalistes des humanités. Plus de 900 000 ont disserté ce lundi à Kinshasa. Le ton a été donné par Aminata Namasia, vice-ministre de l'enseignement primaire et secondaire. Sarah Kapinga, 57 ans, tient à décrocher son diplôme pour honorer ses parents. Emmanuela Commissaire et Jean-Pierre Chibangou l'ont rencontré. Regardez ce reportage. Pour elle, c'est donc un grand jour pour rendre hommage à ses parents. À 57 ans, Sarah Kapinga est la doyenne des lauréats et ses camarades d'examen sont forcément étonnés et aussi admiratifs. Elle ne se sent pas stressée, a-t-elle rassuré, avant de recevoir son papier d'examen de la main de la vice-ministre de l'EPST. Je suis pas stressée, je suis venue vraiment pour faire ça. Je veux bien préparer ça. Dès 57 ans, je vais vraiment prendre mon diplôme d'état. Et pourquoi ? Pour aller travailler quelque part, parce que l'objectif n'est pas de limite. Hein. Au total, plus de 900 000 candidats passent à ces épreuves de hors session d'examen d'État cette année, dont 42% de filles, soit une hausse de près de 10% contrairement à l'année 2021. Le lancement officiel de ce test a vécu ce 23 mai 2022 sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo au complexe scolaire Bokele-Yale. C'est la vice-ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique, Aminata Namasia, qui l'a présidé. Ces épreuves en session doivent être comprises comme une évaluation des connaissances et des compétences acquises par tous les apprenants depuis le cycle préscolaire jusqu'à la fin du cycle secondaire. J'ai saisi cette occasion pour encourager les élèves des classes inférieures en général et les filles en particulier à demeurer dans les circuits scolaires. Notre souhait est que les résultats qui en découleront reflètent le niveau réel atteint par chaque candidat. La vice-ministre de l'EPST a par la suite sillonné quelques écoles de la capitale, notamment lycée de Matongé, collège Saint-Raphaël. Sur place, elle a procédé au même exercice devant quelques députés nationaux, le représentant du gouverneur de la ville et le membre de l'EPST. Les candidats sont répartis dans plus de 2000 centres à travers toute la République. Le gouvernement veut mettre fin au règne des doublons et des fictifs dans ses rangs. Le Premier ministre a lancé aujourd'hui l'identification biométrique. Jean-Michel Sama a salué ce défi que compte relever Jean-Pierre Liao, vice-premier ministre, ministre de la fonction publique pour la modernisation de l'administration publique. Patti Tondouango Kizunda, reportage. Plus question d'effectifs à la fonction publique, un pas de géant a été franchi dans les processus de maîtrise des effectifs et de la masse salariale. Et au cours de la cérémonie de lancement officiel du processus d'identification biométrique des agents publics de l'État, piloté par les vice-premiers ministres, ministres de la fonction publique, le premier ministre et chef du gouvernement, Jean-Michel Samalukonde Kienge, qui a présidé cette cérémonie, a félicité les acteurs de ces processus de modernisation de la fonction publique. Le travail qui devra se poursuivre en province pour être finalisé va permettre une meilleure gestion, comme cela a été annoncé, de notre administration publique. Ne l'oublions pas, toute la structure de l'État repose sur vous. Et vous, la sève de cet arbre est l'administration de la République démocratique du Congo. Et nous devons nous appuyer sur vous. Pour Jean-Pierre Liao, vice-premier ministre et ministre de la fonction publique, son ministère est engagé à remettre l'administration publique sur les rails de la modernisation, innovation, en lui réservant une thérapeutique de choc. En lui réservant une thérapeutique de choc, laquelle doit nécessairement passer par une maîtrise complète des effectifs de l'administration publique, suivant les trois volets, si après la maîtrise des effectifs des agents actifs, la maîtrise des effectifs de passifs, recrutés et rentiers et la maîtrise des effectifs des services relevant des budgets annexes. Les lancements de ces processus d'identification biométrique des fonctionnaires de l'État témoignent de l'engagement du gouvernement congolais à relever les défis de la maîtrise des effectifs pour l'amélioration des conditions sociales et professionnelles des fonctionnaires de l'État. Et ces processus vont permettre de lutter contre les doublons, les agents fictifs, des cumuls et toute forme d'irrégularité.
Les réactions du monde syndical ne se sont pas fait attendre. Un groupe estime que finalement, on connaîtra les réels effectifs des agents et fonctionnaires de l'État. Un autre voit en cette opération l'aboutissement de la maîtrise de la masse salariale. On les écoute. De la décision qu'a prise le conseil du gouvernement par le chef de l'État de mettre fin à cette situation. Recenser les agents, c'est nous aider à connaître l'effectif réel des agents et fonctionnaires de l'État. C'est quelque chose qui tombe à point nommé pour que cette histoire d'effectif, de non-maîtrise des effectifs, puisse carrément prendre fin après ces recensements biométriques. Ça va sécuriser l'administration. Ça va mettre fin au système d'effectifs doublons, ainsi de suite. Ça sera une façon d'aider la République, d'aider l'administration. Et c'est vraiment ça la modernisation et la réforme de l'administration publique. Puisqu'on aura maîtrisé les effectifs, la conséquence logique est que la masse salariale sera maîtrisée. Donc il n'y aura pas de problème. Cette cérémonie veut dire que pour la toute première fois en République démocratique du Congo, on connaîtra le nombre exact des fonctionnaires. C'est-à-dire, vous verrez qu'on va envoyer les équipes de frappe dans toutes les administrations et ensuite à l'intérieur du pays pour certifier les contrôles qu'ils ont commencés, finalisés, et vous verrez qu'on va nous donner finalement des cartes de fonctionnaires. Et nous sommes d'accord pour qu'on puisse changer vraiment l'ancienne carte à une nouvelle carte. On peut maîtriser les effectifs s'il y a vraiment un bon changement de la part du gouvernement. Des propos recueillis par Nadine Kilocho. Autre chose, comment débloquer les fonds disponibilisés par les donateurs pour soutenir la stabilisation dans l'Est? Le Premier ministre a tenu une réunion aujourd'hui. Les attentes des populations doivent être rencontrées, indique Jean-Michel Sama. Il a été annoncé la nomination des coordonnateurs provinciaux. Patti Tondouango. Sous sa double casquette de vice-président du comité de pilotage et de coprésident du conseil d'administration du Fonds de cohérence pour la stabilisation, organe d'appui à la mise en œuvre du programme de désarmement, de mobilisation, relèvement communautaire et stabilisation, le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge a examiné lors d'une réunion qu'il a présidée ce lundi 23 mai 2022 avec les 5 pays donateurs la manière de débloquer les fonds actuellement disponibles pour faire avancer la mise en œuvre du programme PDDRCS. C'est ce qu'on appelle la réunion du conseil d'administration du Fonds de cohérence pour la stabilisation, qui est un fonds qui est donc établi au sein des Nations Unies pour appuyer, travailler avec le gouvernement et le financement des bailleurs de fonds pour appuyer les actions de stabilisation dans l'Est de la République démocratique du Congo. Mais depuis l'approbation de la nouvelle stratégie PDDRCS, il y a énormément d'attentes de la part de la population dans l'Est de la RDC. Le besoin de cette réunion était très urgent pour qu'on puisse débloquer, prendre des décisions collégiales pour débloquer les fonds actuellement disponibles dans le fonds pour avancer sur le terrain avec la mise en œuvre du PDDRCS. Dans les jours qui suivent, il y aura nomination des coordonnateurs provinciaux, acteurs clés qui vont définir avec les gouvernements les plans opérationnels à mettre en œuvre dans chaque province, a conclu Tommy Tambwe, coordonnateur du programme PDDRCS. Possible de voyager à nouveau en voiture sur la route qui mène vers la centrale de Zongo au Congo central. L'office de voirie et drainage a remis en état cette route en terre, voie rapide, pour atteindre aussi bien les villages environnants. Christine Lenzo, reportage. Ce qui mène vers la centrale hydroélectrique de Zongo est en pleine réhabilitation. Pour palper l'avancement des travaux dans cette partie de Kisantu, le directeur général de l'OVD, Victor Tumba, est descendu sur les lieux. Sur place, les ingénieurs de l'OVD Kinshasa, sous la direction du directeur technique Kisoso, sont en train de recharger en latérite et compacter cette route en terre pour rendre la circulation fluide. Nous sommes justement sur la voie d'accès maintenant à la centrale hydroélectrique de Zongo au regard des dégradations qui sont observées par les usagers, par les autorités. Alors il nous a été demandé de venir puisque Kinshasa est plus proche de Kisantu. Voilà pourquoi et le matériel et le personnel sont mobilisés pour venir travailler.
La consistance des travaux porte sur les travaux d'assainissement et les travaux de la chaussée. Même les voitures peuvent de nos jours circuler aisément sur cette route, constat fait par le DG Victor Toumba qui avait à ses côtés le directeur provincial de l'OVD Kinshasa, Alain Chimbalanga. Je suis très content vraiment parce que vous voyez d'abord avec l'état de la route, avant que vous travaillez ici, vraiment on souffrait beaucoup. Mais tel que OVD travaille en tout cas, nous sommes très contents. Vraiment en tout cas, bravo et félicitations. Je sors avec ma voiture maintenant. J'ai bien roulé sans problème. Le transport des kits électoraux et le déploiement de la logistique dans tous les coins du pays, la CENI forme son personnel pour un travail professionnel dans la gestion des flux. Une trentaine d'agents vient d'être outillés sur la responsabilité civile et pénale. Téti Samba. Le principal de cette formation est d'améliorer l'organisation des processus électoraux par une gestion rationnelle de la logistique opérationnelle. 35 agents prennent part à ces travaux ouverts ce lundi 23 mai par le président de la Commission électorale nationale indépendante, Denis Kadima Kazadi. L'acquisition des différents matériels, le déploiement des matériels, depuis les lieux de production et les différents lieux d'utilisation à travers le pays, constitue un véritable défi auquel nous devons déjà. Ce qui justifie toute l'importance que le bureau de la CENI accorde aux présentes assises. Auparavant, le rapporteur adjoint de la centrale électorale, Paul Mouindou, a énuméré les modules proposés au cours de cette session assurée par les facilitateurs CENI et connaîtra la participation de la facilitatrice externe, Bibi Chungumba, organisée par la Commission électorale nationale indépendante en partenariat avec la Fondation internationale pour les systèmes électoraux AFS et l'USAID. Ces travaux vont se pencher entre autres sur le plan stratégique de la chaîne logistique de la CENI, la gestion des flux, celle des risques et qualité de services en logistique et du patrimoine, le feedback terrain, le reporting sur la logistique, la problématique de déploiement logistique en République démocratique du Congo et ses défis. La question logistique est donc au cœur du processus électoral congolais. Cette question sera traitée au cours de cette formation au moment où le monde connaît une crise multiforme du fait de la guerre en Ukraine. Aussi, la responsabilité civile et pénale du logisticien, l'assurance et l'impact financier dans la gestion logistique. Patrick Mouyaya, ministre de la Communication, déterminé à donner un coup de balai dans le secteur audiovisuel public et privé. C'est dans ce cadre qu'une réunion de la Commission de contrôle de conformité s'est tenue. Emmanuela, commissaire. Après avoir lancé il y a peu les états généraux de la communication et médias dans le but d'opérer un nettoyage systématique dans la sphère de médias non en règle au plan administratif et technique, le ministre de la communication et médias, Patrick Mouyaya, réunit pour sa première fois ce lundi les acteurs de la commission de contrôle de conformité opérant dans les secteurs audiovisuels publics et privés. Une réunion à l'issue de laquelle un groupe de travail a été installé pour faire une analyse documentaire dans le secteur audiovisuel. Après cette première réunion, le rapport transmis à chaque membre sera publié dans les médias. Des résultats très attendus feront en croire les experts un véritable assainissement du secteur audiovisuel congolais miné par des désordres criants. L'RTNC a le devoir de jouer un rôle beaucoup plus important dans le rayonnement du pays. La Corée du Sud propose un accompagnement à la télévision publique. Son ambassadeur accrédité à Kinshasa a été reçu aujourd'hui par le directeur général intérimaire de la RTNC, Robert Belidebunga. Le lundi 23 mai, le directeur général de la radio-télévision nationale congolaise, M. Bunga Vindou Belide, a reçu dans son bureau de travail l'ambassadeur coréen pour un entretien dans le cadre de relations bilatérales dans le domaine de la radio et de la télévision. Au cours de cette audience, l'ambassadeur de la Corée, étant lui-même ancien producteur à la télévision KBS en Corée pendant plusieurs années, estime que le média joue un rôle très important pour le développement d'un pays. J'ai eu des discussions vraiment très fructueuses et je vais faire de mon mieux pour améliorer encore les relations que nous avons déjà, et ce sera dans le domaine de culture et aussi dans le domaine de médias. Nous nous rendons compte que le média, donc notamment la RTNC,
peut encore jouer un rôle beaucoup plus grand pour le développement de la RDC. Et c'est dans ce contexte-là que je veux faire de mon mieux pour trouver encore des moyens et de façon à avoir encore plus de coopération avec la RTNC. Après le tête-à-tête entre le directeur général de la RTNC et l'ambassadeur coréen, il lui offre une visite guidée dans les différentes installations et locaux de la RTNC. Cette visite a été dirigée par le directeur de l'intendance, M. Alimans Mayanga. Elle commence par l'explication de la maquette qui représente la concession de la cité de la Voix du Peuple, son environnement et ses bâtiments y compris. La délégation coréenne a visité également les quatre studios, dont le studio A Maman Ngebi, B, C et le studio JT. Ensuite, cette même délégation accompagnée du directeur général de la RTNC va visiter les régies techniques en air, la salle de rédaction française pour les langues nationales et la radio. Elle s'étend sur le studio radio qui fonctionne dans le même bâtiment et les studios de secours. Enfin, la visite s'achève par la salle de rédaction de la radio et des sports en sortant par le cafétéria. Et le GFREM pour terminer, capacite son personnel, les modules sont axés sur l'audit interne. Le ministre des Transports encourage la vision novatrice de l'équipe Justin Camoignan d'investir dans l'humain. Il estime que la nouvelle équipe doit répondre aux besoins innovants. Edith Chalakatala. Après 5 jours de formation, la direction de l'audit interne de l'Office de gestion du fret multimodal s'en sort très outillée. Le cabinet Science of Development avait été choisi à dessein pour dispenser cette formation et l'équipe didactique a été remise au ministre des Transports, voie des communications et des enclavements, Chérubin Okende. Dans la suite du contexte décrit par le directeur des ressources humaines de l'OGFM, le directeur général par intérim, Justin Camoignan, s'est réjoui de la présence de la tutelle à la clôture de cette session de formation qui s'inscrit dans une nouvelle vision de capacitation du personnel pour des résultats escomptés. Le ministre des tutelles, Chérubin Okende, encourage cette dynamique. J'encourage cette vision innovatrice de l'OGFREM d'investir dans l'homme. Je suis certain que les modules qui ont été développés vont profiter d'abord et surtout à l'Office de gestion du fret multimodal. C'est sous ce terme d'encouragement que j'engage le conseil d'administration à poursuivre cette vision de renforcement de capacité dans d'autres modules tels que prévus par la direction générale. J'encourage également la direction générale à poursuivre cette nouvelle lancée parce que l'OGFREM a besoin de solutions innovantes pour répondre à la vision de son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État. Ministre des Transports, Chérubin Okende a remis les brevets de participation aux bénéficiaires de cette formation de l'audit interne de l'OGFREM, qui a porté sur les fondamentaux de l'audit interne et ses questions spécifiques. Et voilà, ce journal est terminé. Madame, Monsieur, merci de l'avoir suivi à travers le monde. Retrouvez l'actualité à 23h avec Bobo Samba. Je vous retrouve demain à 20h. Bon début de semaine. Prenez soin de vous.